Ouais, comment ça va les gars? Tranquille, YouTube, bien bien bien? J'ai acheté la porte au fait les gars, la Puerta 235, je sais pas s'il coûte le même prix, mais on s'en fout un petit peu. Mais grosse carte hein, grosse carte, je vous avais dit que j'allais le tester. Je pense que c'est l'un des meilleurs DC là en première ligue en termes de stats. Donc très très hâte de voir ce que ça vaut. Ah, il y a bien Eto et Matao, ils sont juste devant ma gueule. Il y a Eto, Matao et c'est Patrick Chic pour ses 5 buts à l'Euro. Star de l'été, double 4 étoiles. Très grosse carte. Très très grosse carte. Il est bon en vitesse. Il ressemble un peu à... Comment il s'appelle? Havertz. Il ressemble un peu à Havertz, j'ai l'impression. Très fort en vitesse, très fort en tir, très fort en passe, très fort en drill. De toute façon, c'est toutes les cartes, elles sont comme ça. Hein. Il a tir en finesse, double 4 étoiles. 81 et 85, en vrai, c'est pas cher du tout. Hein. Donc bronze, argent, 82, 83... 85, 86, 87 et 88. Je crois que c'est moins cher que Thierry Henry, non? Et Mataos. Mataos, c'est bronze, argent, comme d'hab. 80 général. 83, 86, 87 et 88. Et pas si cher que ça non plus, hein. Je sens qu'il y en a, ils vont craquer pour Samuel Eto'o. Vas-y, go, c'est validé. Rames. Bienvenue au club, Rames. Encore un très très bon joueur de football au club. Rames Rodriguez, on va enfin pouvoir finir notre équipe, je pense. Il était temps. Hein. Je pense pas le mettre dans un SBC à Gosens, il a une vraie carte. Hein. Il peut, en plus, il est versatile, il peut jouer en MG, mais aussi en DG. La tactique, les gars, c'est ça. Eusebio en buteur, Douglas Costa à droite, Nedved à gauche, Rames en MOC, Kuman et Thiago en MDC, Laporte Ramos en DC avec Kimmich, DD et Gosens, DG. Pour les instructions, on a Axial et Dando de défense pour Euseb. Rames est resté aux abords de la surface. Costa et Pavel dans la surface et resté devant. Pour les MDC, ça va être resté dans l'attaque et couvert centre. Et les latéraux, bah, je touche à rien, ils vont monter. Donc voili voilou. L'équipe, elle est colorée. Il y a 3 icônes. Il y a 2 Summer Stars. Il y a du flashback. Du futur star. Bogus, tout ça, les go. Le gars qui va affronter mon équipe, il va se dire, mais attends, mais il joue en quoi, lui? Waouh, Varane en rouge. Varane est sans... Varane, Sancho et De Jong en rouge. Ça se met bien ici, dis donc. Pas qu'est-ce qu'il fait le mec. Messi ? La Messi ! Encore un Varane rouge par contre. Il a mis Areola au cage. Ah, c'est plus Areola qui me chagrine un petit peu. On va lui montrer pourquoi il aurait dû acheter le TOTS. Et oui, Ramos de la tête. Allez, Gosens. Oh, Rames. Rames, quel crack. Il a bien résisté en plus. Hein. Et franchement, l'équipe, j'aime beaucoup, moi. C'est une Ligue 1 slash Première Ligue. Il a Verratti et Pogba. Il a l'air d'être très, très fort. Et le Rames, en tout cas, les gars, il est impressionnant. Oh là 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 là, ça envoie du sale avec Rames. Ah, c'est passé, bien joué. Dégueulasse, désolé. Je regarde que Kuman, l'entraîneur du Barça. Genre, il a pas de vitesse, mais il est bon en défense et tout. Bah, il récupère pas mal de ballons. Alors oui, après, s'il joue contre un mec qui fait que des rentrants, que je vais galérer. C'est vrai que Euseb, tu vois, je le trouve fort, mais il peut pas centrer. Il est nul de la tête. J'ai Didier ou Henri, enfin, même juste Didier. Je peux centrer et marquer des buts de la tête. Euseb, il va être fort pour faire des grands ponts, des cancels et tout, mais c'est pas mon style de jeu, ça. Down,
Kété, qui c'est qui marque? Oh là 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 là. Il a Isaac, mais pas j'allais dire le Tots. Bah si, c'est le Tots, mais il a pas le quoi? Le Summer Stars. Ah oui, évidemment qu'il contrôle le tiré. On la connaît tous celle-là. C'est évident. C'est évident. Bien joué, Zébio. Bien joué, Kimmich. Attends, ça cogne, mais le terrain, oh là là, ils vont courir partout. Hein. Mais il est trop fort ce mec! Mais il est trop fort! Oh le contrôle! Bien joué, Nani! Bamba, je l'ai déjà, ouais, y'a personne. Nani, ouais, Nani, il peut être sympa, mais c'est pas équipe ultime. Ouais, y'a personne, hein. Il manque un MJ, hein, les gars, pour mon équipe ultime. Rashford, ouais, Rashford, c'est pas mal. Bon! Un gardien! En vrai, si c'est au black, c'est pas mal, hein. Est-ce que c'est au black? Réflexe 96. 85 en dégagement. Ouais, c'est pas au black, ça. 97 de jeu à la main. 96 de plongeon. Les gars, c'est le destin. Mais ouais, du coup, Skriniar, gros, il tombe tout le temps. Même lui, hein. Sergio Oliveira, il tombe tout le temps. Mais du coup, bah, au black, hein. Bam. En vrai, ça passe, hein. Franchement, ça passe crème, les gars. Bien évidemment que ça passe. Oh, la triplette de gardien en rouge. On apprécie les gardiens en rouge, hein. On apprécie. Bam. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qui est passé? C'est le destin, les gars. On a eu au blague. Moi, je dis, c'est le destin. Ouais, tu regardes, il a 99 en précision de coup franc. 99 de puissance de tir. 98 d'effet. 98 de tir de loin. Bah, l'équipe, elle était très, très bien. 0 défaut à part... Nedved et Douglas Costa, je dirais. Je vais avoir Lineker dedans, ça va être drôle. Bon, allez, l'équipe à 86, c'est fait. Eh, hey, comment... Eh, hey, les gars, franchement, je kifferais trop avoir Eto, là. Eto, Cannavaro, Roberto Carlos. Après, Rony, évidemment, t'as vu, mais... du coup, deuxième équipe, 85 de général. C'est fait, ok. Dernier SBC, les gars, pour le SBC icône, c'est finito. Et j'ai plus rien au club. Enfin, en termes de or, j'ai plus rien. Eh, hey, Zizou, Rony, c'est le moment. Pas de doublon. Juste pas de doublon. Après, si on a une icône pétée, c'est pas grave, t'as vu, on va rigoler. Mais juste pas de doublon parce que ça me ferait un peu chier. Qu'est-ce qu'on ferait du doublon? T'as pas les épaules, garçon. Est-ce qu'on aura les épaules? Est-ce qu'on aura les épaules? Allez, c'est parti. Pack icône, prime moment. 92 de général. Minimum. Minimum. Allez, monsieur, hein, pas de doublon. Allez, monsieur. Hein. Brésil, français. Allez, monsieur, hein. Oh non! Pas Titi, s'il te plaît! Ça va être très aigué! Putain, on a eu le drapeau! On a eu le drapeau! On va devoir jouer avec lui, ça veut dire, putain! Vous savez que j'avais dit la dernière fois? On va se faire un futur peu avec très aigué! Bah écoute, c'est le destin! C'est le destin! Est-ce que j'aurais préféré Titi Henry? En vrai, non, je préfère ne pas avoir doublon. Mais français, on a vu! Et on était tout proche! En fait, les gars, j'ai fait mon équipe fun! Et guettez l'équipe fun! Une vraie équipe fun! Pas mal, non? Eh, Didi avec Henri devant. Godze. Xavi, Iniesta, James. Et du football, comme on aime. Ah, James, il était trop fort, les gars. Ce week-end, je l'ai testé, il est trop fort. On se capte jeudi pour les récompenses. En espérant que le Danemark gagne contre
les Anglais. J'espère, même si je vois quand même les Anglais passer. Je rappelle, Italie, Angleterre en finale. En tout cas, prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée, une bonne fin de soirée. Et nous, on se capte plus tard. Ciao, les mecs.